scène française. La chanteuse québécoise sera à partir de demain à Bercy pour une série de 7 concerts, évidemment à guichet fermé. C'est une des rares occasions d'applaudir la star qui se produit le reste de l'année à Las Vegas. Éric Cornet et Antoine Placy ont eu le privilège de la rencontrer. Un rendez-vous avec Céline Dion, c'est toujours un moment un peu particulier. D'abord, l'impression de croiser une bonne copine. Oui, ça a pris 1h15. Venez. Et vous? Et puis, maquillage au pas de charge, coiffure, vocalise. Bon, toujours 2-3 mots qu'on ne comprend pas. C'est bon? Et c'est parti pour le show, Céline Dion. Sorti il y a 15 jours, son 26e album est déjà un carton. Une habitude, elle en a déjà vendu 220 millions. La voix est toujours là, puissante. Avec un petit quelque chose en plus. Laissez vraiment la voix craquer, laissez la voix relaxer, de ne pas essayer de la mêler aux instruments de musique. Vraiment de devancer la voix en la laissant se briser de temps en temps. Et ce n'est pas une erreur, c'est une approche différente. Sa voix, son atout depuis le début. La France la découvre à 15 ans. Je vous souhaite une longue carrière. Longtemps, elle cherche son style. Mais la lumière viendra de Jean-Jacques Goldman, tombé en amour de ce talent venu du Québec. Moi, je sais pas jouer. Elle fait partie des 5 grandes, quoi. Et je mets déjà dedans Aretha Franklin et Barbara Streisand. Dès lors, la France est conquise pour de bon. Je ne peux pas vous quitter sans vous dire que je vous aime. Elle est authentique, elle est dans la vie comme à la télévision, elle est sincère avec tout le monde, elle est gentille et ça se ressent. Devenue planétaire grâce notamment à la chanson du Titanic, le succès n'a pas altéré l'envie. C'est le regard qui a changé. C'est strictement passion et plaisir, et je m'amuse beaucoup plus maintenant qu'avant. Ces 7 Bercy sont complets depuis des mois. Elle aurait pu en remplir 10. Une artiste décidément, définitivement, hors normes.